Le 9 mars 1945, des Dakotas nous ramènent vers la Hollande et les combats. Les jours suivants, les chefs de patrouille vont reconnaître la bomb line. Désormais, les patrouilles de reconnaissance seront menées à deux avions. Le 21, je décolle avec le lieutenant Bourguignat, destination Arnhem. Nous volons à basse altitude quand nous tombons sur des pilotes transport qui rejoignent leur base. Détruisons les camions et leurs passagers. Mais la flaque est sur le coup et mon avion est touché. J'aperçois alors deux Focke-Wulf 190, dont un en finale d'atterrissage. Je fonds sur lui et au moment de presser la détente, rien. La flaque a dû détériorer le système de mise à feu de mes armes. J'enrage. Le 24 mars au soir, le groupe Captain nous informe du lancement des opérations visant à traverser le Rhin. Nous assurerons la protection au-dessus des lignes. Le 2 avril, la 49e division britannique, appuyée par des Canadiens, déclenche l'opération Destroyer. Le 3 avril, les Alliés franchissent le Rhin inférieur en face d'Arnhem. Ils peuvent désormais se lancer à l'assaut de la ville. Pas facile, car la visibilité est limitée par un voile de fumée permanent. L'opération est un succès et bientôt nous nous poserons pour la première fois sur le sol allemand. Les jours suivants, Born et De Saxe détruisent une partie de la Gardeswall.
mais à cause de la flaque, plusieurs avions sont irréparables. Désormais, nous attaquons l'ennemi qui se replie dans le nord de la Hollande. Toutes les 10 minutes, des reconnaissances armées quittent le terrain. De Saxet et moi allumons un beau feu d'artifice en détruisant des camions de munitions. Delarmina se tue en attaquant un train. Son numéro 2 l'a vu perdre le contrôle de l'avion. Fassac est descendu par la flaque. Sur 12 pilotes ayant pris l'air ce jour, 3 ne sont pas revenus. Dans les journaux, on parle déjà de paix, alors que nous nous battons chaque jour avec fureur. Et on nous rend tous les coups. Dans mes carnets de vol, j'ai écrit « Le 30 avril, le temps est très mauvais, il pleut, il fait froid. Le Duce est mort. » Le 2 mai, le temps est toujours médiocre. Hitler a remis sa vilaine âme à Dieu, ou au diable. Le 4 mai, le temps s'améliore. Nous partons en patrouille le long de la ligne de front du moment. C'est alors que nous apprenons la grande nouvelle. Les hostilités cesseront demain à 8h. La joie est immense. Puis je pense aux disparus. Maridor, Born, Delarmina, Schlesing, Mouchot, Royer et tous les autres qui nous ont ouvert le chemin vers la liberté. La paix est là, et je crois avoir le droit, maintenant, de rejoindre ce que j'aime.